Alléluia. Aïe.
Merci Jésus, toi qui m'as délivré de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame Jésus, s'il te plaît. Plus fort, plus fort. Acclame fort ton sauveur. Le chant, Jésus, merci parce que tu m'as délivré de la mort. Merci Jésus, toi qui m'as délivré de la mort. Jésus, vous avez un coin ça. Amen. Notre Dieu mérite la louange. D'accord, on bataille Tchaka. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange. D'accord, on peut Tchakani. Il siège dans la louange. D'accord, pour Tchakani. Dis à quelqu'un, Jésus est bon. Dis à quelqu'un. Jésus, nani. Dis à quelqu'un, Jésus est bon. Jésus, nani. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus est bon. Alléluia. Dis à quelqu'un juste à côté de toi, Jésus est bon. Jésus nani. Jésus nani. Jésus nani. Thank you.
Il laisse pas son travail. Donc, la chanson parle de la persévérance avec Dieu. La Bible qui se dit met sa main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Donc il faut être comme l'oiseau, cri coco.
Yeah.
Dieu nous a spécialisés dans le domaine
de la prostitution des œuvres de la sorcellerie. La gomor bugo omowonu la bugo. Oh, la définition de la sorcellerie. Et il lance le sort, celui qui gâte. Quand il n'y a pas de sorcellerie positive, il n'y a pas. Le Aïno est juste enrichi, mais pour moi c'est bon. Non, il ment. C'est mon cœur, sorcier. Sa bouche rouge, il ment. Il ment. Quand on a la sorcellerie, on gâte. Oui, quand on a la sorcellerie, on garde. Parce qu'on a habité d'un esprit méchant. Et là où on le planète. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de faire des bonnes choses. Oh, quand on a abîmé d'un esprit la sorcellerie, on a habité par un démon. Et il nous pousse à détruire, à gâter les choses. Amen. Or, nos villages sont possédés. Et bon Dieu. Passons nous délivrons un corps. Un village a besoin d'être délivré. Or, si le village n'est pas délivré, tous les ressortissants de ce village ont toujours les problèmes. Il n'a qu'être à New York. On a contre le tout New York. Il n'a qu'être aux États qu'on appelle en Amérique. On a en Russie. Russie, il sort d'un village qui n'est pas délivré. Et quand tout il a des problèmes. Okay. Parce qu'il est lié par ses origines. Il est lié par son village. Spirituellement parlant. C'est pour ça que nos villages ont besoin d'être délivrés. On dit Amen. Amen. Nos villages ont besoin d'être délivrés. Oh, si on se déplace. Il n'a pas dit qu'on a déplacé le problème. Le problème, nous le déplaçons avec le problème. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Héréditaire. Ah, je m'en vais en France. Parce que ça ne va pas encore lui voir. Et la même chose que plusieurs France. Si notre forme. Alors, je m'en vais aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, en France, ça ne va pas. Et tu vas aller aux États-Unis, la même chose va te poursuivre. Parce que tu n'es pas délivré. Or, quand on parle de délivrance, ça veut dire qu'on t'a défait de quelque chose. On t'a libéré de quelque chose. Quand tu es libéré d'une affaire, tu prospères. Amen. Quand tu es défait, tu prospères. Un homme est lié, il sera difficile pour lui de prospérer. Oh, un village peut être possédé. Un village peut être possédé. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Saul. Le chapitre 11, verset 3. Qui a fatigué l'église sur la malédiction? Non, Vous savez, Dieu a besoin des gens qui sont fatigués. Qui n'aiment plus l'excitation. Ça, c'est ces personnes-là que Dieu se révèle. Si tu te plains dans ta situation, tu ne verras jamais Dieu te délivrer. C'est pour ça qu'il dit vous qui êtes chargé, fatigué. Venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé. Chargé des problèmes. Fatigué de porter des problèmes. Je vais te délivrer. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, le chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, écoutez, on dit quand les fondements sont renversés, le juste, que le juste, que sera-t-il? Quand les fondements sont renversés, et quand le juste, dis à quelqu'un ne dort plus. Je vais te révéler d'où vient ton problème. Je vais te montrer d'où vient ton problème. Vous savez, quand vous avez un problème, vous ne connaissez pas l'origine du problème.